Bon, allons-y. Là, je suis de bonne humeur. Putain de merde. Est-ce que tout est allumé? Oui. Est-ce que ma bite est prête? Oui. Est-ce que ça va baiser? On sait pas. Non, on sait pas. Non, on peut pas prévoir. Ok, salut les gars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai encore un peu la voix cassée. Vous m'excuserez. Voilà, j'ai récupéré un semblant de voix parce que j'avais plus du tout de voix, je pouvais même plus faire de vidéo. C'est pas ouf, c'est dommage. Là, j'ai récupéré un semblant de voix, on va pouvoir faire une petite vidéo tranquillement, vous et moi, à part se mettre tout nu. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve sur Hellcase et j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai renouvelé avec Hellcase. Et du coup, on va pouvoir récupérer nos skins dans les cases opening. Et on va commencer dès aujourd'hui, les gars. Et toi là, tu veux 5€ gratuits sur ta première trade? T'attends quoi pour venir sur Skin Monkey et utiliser mon code alors? Tous les liens sont en description, t'as 5$ gratuits sur ta première trade ou 30% de bonus au dépôt. N'hésite pas. Bon visionnage, mon gars. Par ailleurs, avant même que la vidéo ne commence, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un giveaway d'un Nomad Knife Urban Mask qui n'est pas passé, du coup, j'ai menti. Attendez. On fait ça vite fait, regarde. Hop. Maximum de chance. Et ça passe. Alors, je vous explique. Sur le site, je vous ai négocié pour vous faire jusqu'à 2000$ de giveaway, ce qui est littéralement insane. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'item que je vais vous faire gagner. Pour participer, il faudra ajouter mon code et déposer minimum 5$, c'est dans les conditions. Je voulais faire que vous ne soyez pas obligé, mais vous êtes obligé malheureusement. Donc voilà les gars, le giveaway a été créé. Je vous mets le lien directement en description pour participer. Il faudra avoir mis mon code, déposer 5$ et ouvert une caisse classifiée à 4,20$. Je suis désolé, je voulais mettre aucune condition malheureusement. C'est pas moi qui choisis, c'est comme ça sur le site Hellcase. Faudra également avoir commenté et liké la vidéo et suivre la chaîne. Mais ça, c'est classique comme d'habitude. C'est des conditions qu'on peut rajouter maintenant sur Hellcase et ça fait plaisir. Oh, j'en ai marre d'être malade. C'est trop, mon frère. Donc voilà, les gars, nous on est parti. On va aller ouvrir des caisses du coup. Si jamais ça vous intéresse par ailleurs, avec mon code, vous avez 70 centimes gratuits sur le site. Comme d'habitude, tout est en description. Donc nous on a 1900$. On a pas mal de tickets. Je les ai gardés de côté exprès. Depuis qu'on fait des caisses opening, je les garde de côté exprès. Et bah, on va aller ouvrir des caisses et je pense qu'on va ouvrir les caisses event. On va commencer avec la caisse à 25 balles, la Candy Cane. Et on va voir ce qu'on gagne. Là, le but, les gars, ça va être de retirer un bon skin. Il faut qu'on retire un bon truc. Je suis trop content. Je pète mon crâne, ma lubulule. Alors, 25 balles into 860. On continue d'ouvrir. Nul. Par ailleurs, les gars, pendant que je vous tourne cette vidéo, sachez que je suis en live tous les jours sur Twitch à partir de 17h jusqu'à 21-22h. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Il y aura du Counter-Strike, du case opening et maintenant, évidemment, je fais aussi du casino. Ok, donc nous on est parti. AWAP case ne m'intéresse pas. Putain, il y en a. Vas-y, c'est bon, ils ont drop des trucs de fou. Ça m'a convaincu. J'en loupe 10, vous m'avez convaincu. Oh, néo noir, ok. Non, je crois qu'on est rentable. Hein. 63$, on est rentable. On va vendre juste les petits skins inutiles. Alors, soit 17, 34 centimes, on les vend, on garde les autres. Comme je vous disais, on est sur Twitch. Oui, j'ai un partenariat slot. Le but est de financer des projets. Les gars, j'ai prévu de créer une équipe. Je vous ferai une vidéo dédiée pour vous en parler, ne vous inquiétez pas. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Ok. Caisse à 100$ pour une Akalit Museo, c'est pas la folie. Bon voilà, je vais en profiter pour vous parler un petit peu pas ouf. De ce site. Ce site, c'est Casinozer. Dans la description, vous aurez un link tri si jamais ça vous intéresse, tu vois. Sur ce site, pour ceux qui font des bets e-sportifs, je vous ai négocié. C'est ça que je vais mettre en avant sur la chaîne, c'est les paris e-sport. Parce que voilà, il y a les blasts en ce moment. Moi, ça m'arrive de parier. Quand Vitality joue la finale, je vais mettre un petit 10 balles. Comme ça, si je perds, c'est rien. Mais ça me donne un petit piquant, tu vois, en plus. Ça me force à regarder un peu plus le match. Et grâce à mon code qui est PIMSBET, tout sera de toute façon dans le link tri, vous aurez 100% remboursé sur votre premier bête. Ça veut dire que vous ne perdez rien concrètement. Ok. Oh là là. C'est ça la caisse diamond? Ah, folie. Ah putain, faut que je me remouche. Ok, j'en rouvre. Non, mais c'est une blague. Comment ça, USP Caïman dans une caisse à 200€? Comment ça, mon ref? Je rouvre, ça va pas se passer comme ça. On garde de l'argent pour une figurine longue, hein, comme d'habitude. Code red, non, là vraiment ça pue. Ah là vraiment les gars ça pue. Hein. Là ça sent l'anus vraiment pas lavé. Hein. On a perdu beaucoup en 2 secondes. Eh ben on va passer à d'autres caisses un peu plus grosses je pense. On va passer à... Non, il dit qu'est-ce que j'aime bien. Attends. Elle est où la caisse que j'aime bien là? Moi c'est la Prince que je trouve, ok. Elle est là. La Prince elle est pas dégueu. Donc on va ouvrir 2 Prince puis une Fukan. Donc let's go. Il y a des bons trucs dedans. Allez s'il te plaît frérot qu'on puisse récupérer un bon skin aujourd'hui. J'aimerais bien pouvoir withdraw quelque chose de sympa. Pitié. Ok. Par ailleurs, les gars, maintenant je peux récupérer les skins. Mais c'est pareil, j'ai un montant à ne pas dépasser. Donc je vais pas withdraw toutes les vidéos, évidemment. Ok, 70, c'est pas ouf. Comme la majorité des gens qui font des case opening, ils vous font croire qu'ils ont de la vraie balance. Mais la vérité, c'est que oui, c'est de la vraie balance, mais ils ne peuvent pas dépasser un certain seuil. Si par exemple leur site dit, écoute, ce mois-ci, tu dépasses pas 10 000, ils ne peuvent pas dépasser 10 000. Tous, absolument tous ceux qui vous disent, non, c'est de la vraie balance, je withdraw autant que je veux, ce sont des menteurs, ils vous mentent. Voilà, moi j'ai décidé que j'allais commencer à être honnête avec vous. N'écoutez pas ce que tout le monde dit, ils ne peuvent pas withdraw à volonté, ils ont un seuil à ne pas dépasser. Et j'en ai marre que les gens ne sont pas honnêtes avec ça, je ne comprends pas pourquoi ça ne change strictement rien à la fin. Moi, c'est pareil, j'ai un seuil à ne pas dépasser. Donc dans certaines vidéos, je ne vais pas withdraw, dans le sens où je vais garder de côté pour pouvoir withdraw quelque chose quand je vais tomber dessus qui m'intéresse vraiment. Sinon, je vois pas l'intérêt, je vais pas withdraw un skin qui m'intéresse pas en fait. Allez, on va ouvrir une Snowman Wonder. Wesh, ils ont été dingueries dedans. Et moi? Et moi? Et moi, wesh? Et oui, wesh! Let's go! Ok, combien ça coûte ça?
Oh oui! Oh oui! Factory New, let's go! Ok, c'est bon. Case opening rentable. Elle est où la fucking longue? Oh putain, ça fait trop plaisir. J'ai eu peur qu'on reparte en slip. Et je récupère le skin. Je vais vous le montrer. Je récupère ce skin aujourd'hui. Alors. Ok, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre qu'on perde là. Là, je vais me. Attends, quoi? Puis quand ça coûte aussi cher ça? Bon, là, de toute façon, les gars, on est full rentabilité. On va en upgrade. On balance des fois 10. On s'en bat les couilles. Voilà, bon, par exemple, tu vois, je peux récupérer un des deux. Je vais récupérer le knife. Je vais pas récupérer les deux. Sinon, le site, il va faire la gueule, forcément. Le but, c'est pas de vous faire croire qu'on est payé des 50 000 euros par vidéo. Les gens qui vous font croire que, voilà, s'ils gagnent 30 000 euros, c'est faux. C'est faux. Ça dépend. Des mecs comme Cyril, oui. Mais on n'est pas assez gros, sinon, tous les autres pour Wizard autant qu'on veut, les gars. Ok. Petit AWAP x5. Let's go. D'ailleurs, les gars, n'oubliez pas que ce soit du casino, des case opening ou n'importe quel jeu d'argent, paris sportif, e-sportif, faites attention à votre argent. Les sites sont toujours gagnant, n'oubliez pas, si vous jouez de l'argent, c'est de l'argent qui sert à vous divertir. C'est-à-dire là, si tu mets 10 balles sur le quai, c'est pour t'amuser, c'est pas pour devenir millionnaire. Tu te le dis direct, tu vas pas devenir millionnaire. C'est possible que tu gagnes une fois de temps en temps, de 10 euros, t'arriveras à 100 euros. Si tu remets, tu vas perdre. Ensuite, tu vas reperdre, et tu regagneras peut-être un jour, mais tu deviendras jamais riche. Donc, s'il te plaît, fais attention à ton argent. Si tu perds, ne remets pas plus pour compenser, ça c'est de la connerie. Fais très attention à votre argent, jouez responsablement, s'il vous plaît, les gars. Là, par exemple, je suis en train de me faire violer, tu vois. Là, ça baisse dans mon cul. Ok. D'ailleurs les gars, j'ai une vidéo de prévu où je vais vous parler des pires sites à ne surtout pas jouer ou des sites de trade qu'il ne faut surtout pas utiliser très bientôt. Juste je la travaille et j'essaye de sourcer ce que je dis, etc. Parce qu'il y a mon ressenti personnel, comme par exemple sur le K-Site que vous connaissez très bien, qui est littéralement un site malhonnête. Mais tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo qui sera dédiée, vous inquiétez pas. Ok, là ça pue du cul. Là, ça pue clairement du cul. Les gars, on va les vendre et on va rouvrir 3 fucales longues. 3 d'un coup. XB. Ok, ça, ça coûte cher. Ça, là, ça coûte cher. C'est quoi ce case opening de fou? Oh la vache, j'allais crier, frère. Okay, ça, je vais pas les récupérer, tu vois. Par exemple, ça, c'est beaucoup trop gros. On va récupérer la baïonnette. Ok, c'est fini. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va vendre les gants et ça va me servir à faire une autre vidéo case opening. Et regardez le nombre de tickets qu'on a là. On va se mettre vraiment bien. Tac. Vous savez quoi, les gars, on va faire autre chose. Cette baïonnette, je vais la vendre et je vais garder une plus grosse balance encore pour la prochaine vidéo. Je pense que c'est pas mal. 3600, je sais ce qu'on va tenter. On va tenter un skin un peu plus petit. Je veux pas me retrouver en fait à withdraw un gros truc tout de suite et après être bloqué pendant 2-3 semaines à plus pouvoir récupérer des skins. Et c'est pas ouf. On va jouer pour ça. On va jouer pour un Huntsman Doppler. Frérot, non! Ben moi qui voulais garder une grosse balance, je vais aller me faire mettre. Hein. Et si je joue pour ça, par exemple? Yes, c'est bon. Ah, je voulais vraiment vous montrer que je peux withdraw là, parce que ça y est, frère. Je crois que je suis le seul à vous le dire quand je joue de la fake balance et tout. Je vais vous montrer aussi quand je peux withdraw, c'est important. Trade is ready, tu vois. Tac, et là, je vais recevoir le skin. J'ai juste à attendre que ça arrive et à accepter la trade. Voilà, love là. Petit flip-nap marble fade. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait kiffer. On a fait des putains de gros hits, on va pas se mentir, c'était sympathique. Donc voilà, les gars, c'était Plimousse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Twitch, ça me ferait plaisir. Ciao. Ciao avec vos beats. Et avec ta beat aussi. Toi.